En 2012, nous avions 5000 lits au niveau du campus du Koud, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la fin du mois de décembre prochain, nous aurons rajouté 5800 lits supplémentaires, ce qui fera que le campus du Koud aura 10800 lits. C'est un doublement de ce qu'il y avait. Cet effort n'est pas encore suffisant, puisque l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui en 2012 était autour de 100 000, l'année dernière autour de 80 000, mais l'effort qui est en train d'être fait au niveau de tout, de cette nouvelle carte universitaire, c'est d'arriver petit à petit à réduire l'effectif de l'UCAD pour le porter à l'horizon 2022 autour de 60 000 étudiants. Et nous venons de démarrer un autre projet très important, qui est un projet de location-vente, composé de la construction de 13 000 lits supplémentaires, en plus de la réfection, de la réhabilitation des 5 000 lits qui existaient en 2012. Et dans ce projet, il y a de nouveaux restaurants, il y a aussi une nouvelle administration pour le Koud.